Es-tu une femme qui accumule la graisse au niveau du ventre? Voici la vidéo pour te dire quoi faire. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, la cause, c'est souvent à cause du niveau de ton stress. Mais wow là, attends une minute. Le problème, c'est pas le stress, c'est la façon que tu gères ton stress. Donc, c'est super important de pratiquer ces exercices quotidiennement qui t'aideront à gérer le stress, donc au final, à perdre du gras au niveau de l'abdomen. Premièrement, la respiration volontaire. T'as-tu déjà essayé ça? En fait, c'est le contraire de la respiration automatique qui est régulée par le tronc cérébral. C'est respirer en pleine conscience, tout simplement. C'est parfait pour relaxer et pour ma part, j'ai tellement de difficultés à méditer, mais ça, c'est vraiment un exemple qui m'a aidé beaucoup à relaxer et équilibrer mon système nerveux autonome. Deuxièmement, prendre un bain de sel d'Epsom. C'est du magnésium sulfate. Ça peut aussi être bénéfique pour ton système nerveux. Ça aide en fait à la relaxation et à la réduction du stress. Donc, à long terme, tu peux avoir des résultats sur la perte de gras. Finalement, faire de l'exercice. Naturellement, l'exercice, en fait, ça libère de l'endorphine qui aide à ton humeur et la réduction du stress. Aussi, ça peut comme utiliser le cortisol libre dans ton corps. Donc, c'est parfait pour toi si t'es une personne qui gère pas bien son stress. Naturellement, il y a d'autres facteurs afin d'aider la procédure de perte de gras au niveau du ventre. Mais déjà, ces petits conseils-là pourront faire une grosse différence dans ton quotidien. Partage cette vidéo afin d'aider toutes les femmes stressées autour de toi!